Dernier épisode de la semaine pour ce let's play RimWorld et après il ne me restera plus que le week-end pour finir sur ce jeu. Alors j'ai regardé avant de lancer l'épisode sur quoi sur quelle taille j'étais de chambre quand je faisais ça un petit peu mieux. Je fais ça sur du 3 sur 4, c'est assez gros quand même, mais bon, c'est ce que je fais d'habitude, donc je vais continuer là-dessus. Et du coup, 1, 2, 3, ouais, 3 sur 4, ça fait des chambres assez grandes, mais bon. Ça me surprend que ce soit aussi grand. Mais si je pars sur ça d'habitude, je vais continuer. Donc là, il est en train de finir la tourelle. Bon, Jackal est très très dur à convaincre. Hein. Pourtant, il est avec nous et tout, mais. Plus 142 grâce au Warden. Mais il est très très dur à convaincre. Alors là, j'ai pas d'électricité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une autre tourelle. Et j'amènerai l'électricité sur cette autre tourelle. Ici, ouais. Et là, j'amène l'électricité. Okay. Là, c'est pareil, il va me falloir de l'électricité. Je vais l'amener là. Merde, un Muffalo. Non, ça, c'est pas génial. Normalement, j'ai un hunter. Hein. C'est Freya, je sais pas où elle est. Je sais pas si elle est dans les parages. Il a pas de. S'il a une arme. Et lui aussi, ok. Ok, donc là, c'est parti. Lui, c'est pareil, il va tirer. Un Muffalo, ça peut avoir quand même un certain nombre de points de vie. Ouais, je suis rendu qu'à 67, faut que j'y aille. Merde. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va le ramasser à un moment ou à un autre. Oui, d'ailleurs, faut que je mette ça quand même. Ah, John, il doit commencer à être pas mal en minage. Hein. Il est déjà à 13. Parce que je vois la vitesse où il va. C'est impressionnant. Par rapport aux autres. Allez, c'est parti. Donc, du 3 sur 4, c'est vrai que ça fait des grandes chambres. Ils ont le droit à un lit. Une lampe et un joli pot de fleurs. Bon. Là, j'en vois un qui part se balader. Je sais pas ce qu'il va chercher. Ah, des plantes. De la bouffe, pardon. Lui, je crois que je vais lui arrêter sa production de pierre, j'en ai plus besoin. Until you have 5. Je pense qu'il va s'arrêter là. Ouais, je pense qu'il va aller me faire autre chose après, Freya. Là. Freya, elle fait quoi? Elle fait du shooting et du crafting. Merde, une éclipse. Ah, il me faut quand même une porte, j'ai oublié ce détail. Alors j'ai un peu tout le monde qui est blessé. J'ai eu des attaques de Muffalo, j'ai eu des attaques de pirates. Résultat, c'est pas si simple que ça. Tout le monde est un peu blessé.
Freya, pourquoi elle fait du social, Freya? Alors qu'elle a que 3 en score. Et en plus, elle a échoué. Ah merde, j'ai quelqu'un qui a... Enfin non, pas merde, mais j'ai quelqu'un qui a rejoint ma colonie. Sans que je lui demande rien. Caro, qui est pas doué en grand-chose. Elle peut quasiment rien faire, quoi. Recherche... Ouais. Je pense que Caro, ça va être ma nouvelle chercheuse. Oh là là, elle peut rien faire. Je vais enlever Freya en tant que chasseur. Ouais, mais elle peut rien faire d'autre non plus, hein. Enfin, remarque, Freya, elle peut tout faire, hein. C'est juste qu'elle aime pas tout faire. Donc je vais lui faire faire du crafting, ça c'est sûr. Et en deuxième, je vais lui faire faire du hauling, du cleaning et du plant cutting. Voilà. Donc j'ai dans l'idée que la recherche va repartir. Voilà. Ah, c'est cool, ma chambre va être prête. J'ai ma lumière, j'ai mon pot de fleurs, j'ai tout. Ah, par contre, je vais pas pouvoir faire ça. Fais chier. Il faut que je déconstruque le pot de fleurs. Il me semble que c'est pas accessible là, derrière. Ouais, à mon avis, c'était pas accessible. Normalement, j'ai quelqu'un qui est spécialiste de hauling. Sam, je sais pas ce qu'elle fait, faut que je la surveille. J'ai l'impression qu'elle fait pas ce que je lui ai dit de faire. Hein. Je vais surveiller. Ça m'intéresse de voir ça. Ah si, elle fait ça, mais sauf qu'elle fait les pierres en. Les pierres en priorité. Je pense que ce serait mieux si elle faisait les cadavres. Et ou les armes, ouais, à la rigueur, pour que je puisse les vendre. Bon, moi, je pense qu'elles vont... Elles sont deux à faire, là, donc... Ça va se faire. Ok. Alors, je vais travailler un peu sur les sols. Je vais mettre du rouge ici. Je vais me faire quelques batteries déjà pour commencer. Faut que je mine ici, hein. Faut que je fasse un vrai mur pour que le courant passe. Ça sera franchement plus simple. Ici, je vais miner. Ok, une recherche de fait. Je vais prendre hydroponique. Je vais me lancer dans la culture en sous-sol. Ouais, ça, je m'en fous. Franchement, Jackal, je commence à en avoir marre. Je sais plus quoi faire, quoi. Il est un poil lourd, ce jacal. Ça fait, je sais pas combien de temps que je l'ai. Il faudrait que j'ai un compteur où je puisse voir combien de fois j'ai essayé de le convaincre. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc une petite tourelle en plus. Je vais peut-être faire un câble électrique, je suis pas sûr que j'ai vraiment d'électricité.
Oula, les écureuils deviennent fous. Serais tenté de dire la belle affaire. On va s'en occuper. Ah mais par contre, je suis passé en mode combat. Tout ça à cause d'un écureuil. Ah mais ils m'attaquent tous en fait, c'est ça qui est bien. D'accord. Freya, c'est ma chasseuse, c'est ça? Ouais. Alors, Hunt, ça. Ça. Alors, c'est chiant que je sois en mode combat, du coup, le jeu est très très lent. Je vais m'attaquer à ce squirrel-là. Merde, pas celui-là, alors celui-là. Je suis pas à portée, c'est pour ça. Voilà. Mais elle tire plus sur la tourelle que sur les écureuils. Il est motivé pour le shooting, mais il est pas très doué par contre. Ah merde, mais je me fais attaquer par tous les écureuils en fait. C'est du délire là. Il a carrément failli me tuer. Il faut vraiment que je me regroupe. Merde, il me tire dessus. Non mais... Espèce de débile. Là c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. Je suis... Non mais ils se tirent dessus quoi. Ils auront fait plus de dégâts à se tirer dessus que les écureuils eux-mêmes. Sam c'est pareil, il va venir aider. Ok, celui-là est mort. Ah, c'est parce que lui a pas d'arme en fait. Caro vient d'arriver. Donc Caro va d'abord secourir Nikita. C'est bon, il y arrive là. Fire and Squirrel. Ici, ça donne quoi? 30 points de vie, 30 points de vie, ok, c'est minable. En fait, ils sont beaucoup trop nombreux. Ouais, c'est un massacre, hein. Lui, faut qu'il court pour sa vie. Lui, il est pas mort encore, sérieux. Lui, il est pas mort. J'ai un Sam qui se balade quelque part normalement. Ouais. Finalement, il va venir aider. Ok, tout ça, c'est mort. D'accord. Donc lui, il va venir ici. Ah, ça c'est mort aussi, ça c'est mort. Donc ces deux-là, ils vont absolument venir aider au nord là, parce que ça tourne au massacre là-bas. Ah, j'avais jamais vu ça. Elle va venir absolument ramasser celui-là. Sérieux, 61 points de vie. Et ils sont trois. Hein. Ok, ça va se gérer cette attaque de. Putain, mais arrête de tirer sur ton pote, quoi. Et merde, il l'a tué. Non, il l'a pas tué. Ouf. J'ai eu peur. Hein.
Bon. Ça va falloir ramasser cette arme. Là, il faut ramasser les squirrels, il faut ramasser les armes. Là, j'ai 31 points de vie, je pense que j'arriverai à temps pour le sauver. Ici. Je vais ramasser les squirrels, ici aussi. Je crois que c'est fini pour l'attaque des écureuils fous. Je sais pas combien j'en ai tué. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que je suis toujours en vitesse lente. Et je suis sûr que je suis attaqué encore, j'entends des bruits. Mais je saurais pas dire où c'est. Ah, c'est là. Oui, c'est là. Pourquoi je peux pas lui tirer dessus là? Je sais pas pourquoi. Je vais sortir de la pièce. Ah ouais, c'est parce qu'ils arrivent pas à... D'accord, je vais les mettre tous les deux dans cette pièce là. Et c'est parti. Ok. Bon, j'aimerais bien repasser en vitesse normale. Je sais pas pourquoi je suis pas en vitesse normale. Y a plus d'écureuil nulle part. C'est bon. Bon, bah c'était quand même chaud, mine de rien, la taille des écureuils fous. Je me suis fait un stock de nourriture, je pense. Mais tout le monde s'en sort salement blessé quand même. Le boomrat, pas la psy, je vais le chasser quand ce sera possible. Oh merde. Bon, heureusement ils sont pas très nombreux, mais ils sont mal placés. Honnêtement, ils sont super mal placés. Je vais me replier sur mes tourelles. Ah merde, celui-là il est tout seul. Bon, je pense que là mes tourelles vont faire le boulot. Mais le problème, c'est que tous ceux qui sont là-bas, les tourelles vont jamais leur tirer dessus. Elle a pas d'armes, elle, hein, je crois. Ouais, faut que je méfie. J'ai l'impression qu'elle a pas d'armes, elle. Et j'en ai plus de dispo des pratiques, là. L'arc, on va éviter. Ouais, je vais prendre le pistolet qui est là. Casse-toi, carreau! Putain. Ok, lui, faut qu'il recule. Ok, bah, carreau, c'est quand même normalement une. Elle a un bon score en shooting, je crois. Ouais, ça va. Ouais, je sens que lui va pas faire long feu. Merde, un blessé. C'est bien compliqué là. Je pense que lui va pas faire long feu non plus. Ouais. Et ils s'en vont. Ouf.
Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Bon, bah, tout le monde peut repasser en mode normal. Encore une fois, j'ai pas eu de mort. J'ai quand même eu un blessé. Mais ça va. L'essentiel est de ne pas avoir de mort pour l'instant. Hop là, ils repartent vaquer à leurs occupations. Qui c'est qui porte déjà beaucoup normalement? C'est Sam. Hein. J'aimerais bien qu'il utilise un peu le crématorium. Pourquoi il peut pas utiliser le crématorium? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'utilise. J'ai pas l'impression. Ah, je sais pourquoi, sérieux, je fais n'importe quoi. Cremate corpse à l'infini. Ok, voilà. Maintenant, ça va marcher. Je laisse manger. Et on est parti. Il faut pas que je laisse autant de cadavres un peu partout. C'est mauvais pour le moral. Ça peut se comprendre. Là, il y a du squirrel à transformer. Buffalo, squirrel, ouais, c'est bon, ils vont le faire. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai pas fait mon mur ici. Industrial trader, ça va pas me servir. Qu'est-ce qu'elle fout, l'autre, là? Enfin, l'autre. Il traîne, là, il vient pas dormir. Je suis encore en train de ramasser tous les squirrels qui traînaient. J'en ai, je sais pas combien. J'en ai 11. Ah merde, quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai un lead libre? Je suis pas sûr. Merde. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lits. A priori, j'en ai un de libre. 2, 4, 6, 7. Je vais transformer celui-là. Je pense que j'ai juste ce qu'il faut pour accepter un autre prisonnier, en fait. Enfin, un autre colon. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'accélère la production d'une deuxième pièce. Ici. Ouais, c'est ça. Ça tombe bien, celle-là est tout juste finie. Non, Sam, plutôt, il va utiliser le crématorium. Là, transporter les pistolets, ça m'intéresse pas trop. Non. Priorité au crématorium pour l'instant. Ça, je m'en fous. Je sais pas trop ce qu'il fait là. J'ai l'impression qu'il fait pas ce que je veux. Ok, la culture en souterrain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Arco. Non, qui c'est qui tire là comme un malade? Putain, j'ai entendu. J'entends des tirs et je sais pas où c'est. Ah, c'est là? Non, c'est pas là. C'est dingue ça.
Ah, c'était un boomerat. Ça, c'est sûr que c'était un boomerat, je l'ai entendu exploser. Putain, faut que je le retrouve quand même, j'aimerais bien le récupérer. C'était pas là. C'est dingue ça. Ah, c'est là peut-être. Peut-être. Scarrow, c'est mon chasseur. Je sais plus. Caro, ouais, c'est le chasseur. Faut que je le note. Mental breakdown. Qu'est-ce qui lui va pas? Ah, il aime pas voir des gens morts. Ça, c'est clair. Il faut absolument que je m'en occupe. Dès que Sam va se réveiller. Ouais. On va plutôt faire avec Freya. Faut absolument que je m'occupe de tous les gens morts là. C'est pas bon du tout. Ok. Je sais pas combien je peux en avoir. J'en ai encore 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh là là, j'en ai plein. Ça va me prendre du temps. On va envoyer quelqu'un d'autre faire ça. Faut pas que ce soit toujours les mêmes. Caro peut rien faire. Nikita, il peut. Bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vous laisse. Je donne rendez-vous demain. Pour la suite de ce let's play, un petit peu plus quand même d'attaque depuis 2 ou 3 épisodes, donc on va peut-être voir venir la difficulté maintenant. Honnêtement, je suis pas trop mal parti, je suis assez content. Donc rendez-vous demain pour, il me semble, les 2 derniers jours de ce let's play.